L'agent 47 est en fait au téléphone avec un indicateur qui est le seul à pouvoir le fournir en armement. Mais pour cela, eh bien, il lui assigne une mission, celle d'abattre le King of Chinatown. C'est une mission qui se déroule, en gros c'est le deuxième chapitre du jeu. L'une des premières choses qu'on peut découvrir, vous allez le voir dans quelques instants, c'est le nouveau moteur technologique sur lequel est architecturé Hitman Absolution. Il s'agit du Glacier 2, qui permet effectivement, vous allez le voir, de montrer des séquences très riches et surtout de gérer des mouvements de foule assez impressionnants. Une fois de plus, dans Hitman Absolution, c'est vous qui allez définir la manière dont vous allez jouer. Rien n'est scripté dans la séquence que vous allez voir, on est vraiment en temps réel et chacun des PNJ qui forment cette foule a lui-même, fac à ses propres occupations. À chaque fois que vous jouerez à cette séquence ou aux autres missions, il pourrait se déplacer de manière différente. Le Glacier 2, justement, ça vous permet d'avoir, eh bien, d'animer ce genre de foule. Là, il y a plus de 500 personnages présents dans cette seule scène. Et on est au début du jeu. Plus tard, vous aurez des foules encore plus denses, encore plus riches. Alors voici le King de Chinatown, indiqué ici sur votre écran, vous le voyez en rouge. Vous l'avez compris, tout autour de lui, des agents de sécurité, la police est corrompue. Et vous pourriez y aller de manière frontale, brutale. C'est l'une des possibilités qui vous est offerte, mais franchement, derrière, vu les forces de l'ordre, ça risquerait d'être un peu plus compliqué. Ce serait possible. Mais Sacha va opter pour une approche un peu plus subtile. Je vais donc vous montrer certaines des 26 possibilités présentes dans cette séquence qui nous permettraient de remplir notre mission. Par exemple, cette espèce de fosse, vous le voyez, qui est indiquée comme ça avec une vision d'instinct, eh bien vous permettrait de projeter le King, forcément, une chute de plusieurs mètres risquerait d'être fatale. Ici, dans la cuisine, vous allez découvrir des plats qui seraient possibles, par exemple, d'empoisonner des petits sushis mortels. Mais vous allez voir, on va tenter autre chose. C'est toujours, et ça je sais que c'est l'une des questions que beaucoup de joueurs se posent, Hitman Absolution, c'est vraiment vous qui allez trancher la manière dont vous voulez aborder les situations. Ce mariage entre action et infiltration, c'est vous qui allez jauger cette balance. Donc on a récupéré un coup de lingue que tout de suite on dissimule pour ne pas alerter eh bien, la population. Vous le connaissez peut-être, le foucou, vous savez ce fameux poisson dont la chair est assez particulière et si elle est mal préparée, peut empoisonner et tuer quelqu'un. Eh bien justement, ce serait une autre possibilité, on l'a vu tout à l'heure, des sushis, on pourrait mélanger le foucou, donc mortel, avec de la nourriture et tenter ainsi eh bien, d'empoisonner le King. Le bâtiment qu'on découvre là, on le sait suite à une conversation un petit peu au préalable dans le jeu, mais c'est le bâtiment en fait du personnage là, qui porte cette casquette et cette espèce de petite jaquette blanche, c'est le dealer en fait du King. Donc on est donc son repère et ça pourra nous servir. Et le King il est là justement. Et vous l'avez vu, il est allé au petit coin, ni vu ni connu je t'embrouille. Juste au-dessus de lui, espèce de palette comme ça tenue par quelques chaînes, vous aurez aisément compris qu'il serait possible, en tirant de manière précise, de faire choir la palette sur le King et donc de l'écraser comme dans une sorte de bip 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 coyote. Mais une fois de plus, il y avait des hommes armés et donc en termes de discrétion, ça n'aurait pas été ça. Et nous là vraiment dans cette démo, on a envie que ça joue un peu furtif. Voici donc le King en pleine discussion avec son dealer. Une conversation, vous allez le voir, qui va tourner court. Et en gros, le King demande de récupérer quelques drogues. Et donc, on va essayer de profiter de cette situation pour prendre le dealer en filature et utiliser finalement un des éléments qui constitue véritablement l'ADN des Hitman. Le côté assassinat et déguisement, se revêtir l'apparence de différents personnages. Du coup, on s'infiltre, ni vu ni connu,
dans la foule. Vous notez aussi, si on peut monter peut-être un tout petit peu le son, la musique est totalement dynamique dans Hitman et accompagne ainsi de manière cinématographique les actions. Et on va faire un petit coucou dans la veine des agents 47. Voilà, tout en subtilité et sympathie. Et donc je vous en parlais tout à l'heure, l'ADN des Hitman, on revêt le costume du dealer, on va dissimuler son corps dans la benne. Le but véritablement là est d'être en furtivité, bien évidemment, on n'a aucune envie de susciter l'attention. Et puis vous le voyez là juste derrière l'épaule de l'agent 47, une caméra de surveillance qui avait été installée au préalable par le dealer pour surveiller sa cache où il avait entreposé la drogue, histoire d'être sûr que rien ne puisse nous arriver après. On va partir, je vous l'avais dit tout à l'heure, dans ces appartements pour essayer de supprimer toute trace. Bien sûr, l'une des autres possibilités, ça aurait été directement de se rendre chez le dealer quand on était encore en costume d'agent 47, mais vous voyez, les lieux sont gardés. Il aurait fallu user de la manière forte. Et nous ne sommes qu'amour, bien évidemment, vous l'avez compris. Voici donc l'appartement du dealer. Et là, sur le fauteuil, la cassette. On supprime toute preuve. Pour l'instant, tout se passe bien. On récupère le fusil sniper. Et alors là, avec un peu de chance, peut-être que du coup... Eh bien non. Ouais, rien n'est scripté. Il aurait pu se trouver là, le King. On aurait pu ainsi, avec le fusil à lunettes, eh bien l'abattre directement de l'appartement. On pourrait une fois de plus utiliser la sérail de coke pour les empoisonner. Encore d'autres possibilités, vous le voyez quand même, nombreuses, 26 en tout, je vous disais tout à l'heure, dans cette séquence. Attardons un instant sur les différents challenges, parce que je suis persuadé que vous êtes des joueurs chevronnés, on est d'accord? Des joueurs et joueuses, non? Aucun joueur expérimenté? Là-bas, je sais, voilà, voilà, on a quelques-uns. Et ben, justement pour vous, dans Hitman, sont prévus, en plus, en marge de la quête principale, et bien différentes missions, différents challenges qui vont vous rapporter des points et qui, bien évidemment derrière, pourront être traduits en équipement, en armement supplémentaire. Un score d'ailleurs qui s'affiche et qui pourra être comparé avec vos amis, histoire de voir qui est véritablement le meilleur assassin. Alors maintenant qu'on a revêtu l'habit du dealer, eh bien ça nous permet quand même, ça nous offre des possibilités supplémentaires, puisque on va pouvoir se rendre dans le parking du King. A priori, on est le dealer, donc pas de problème. On est connu des amis de la sécurité du King. Ça va nous permettre de passer. Si on avait été en agent 47, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Voilà son parking, sa merveilleuse voiture. Et aussi une cache d'armement. On pourra récupérer différents équipements. Et puis tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu furtivement avec ce regard-là d'instinct qui nous permet en fait de voir un petit peu où se situent les différents personnages. En l'occurrence, il y avait un garde qui met sa ronde. Alors on pourrait décider de continuer, mais il va probablement nous gêner s'il revient. Il est par là-bas. Donc on va essayer de jouer plus prudente. Et juste aussi, pour vous souligner, bien évidemment, la jauge d'instinct que vous découvrez sur le côté, elle n'est pas illimitée. On va essayer de s'en débarrasser, c'est réussi du premier coup. Vous notez, le corps est là, la barre de sang aussi, qui a son importance, je vais y revenir dans quelques instants. On va cacher le corps, histoire qu'une fois de plus, parce qu'on est quand même assez proche de la zone vraiment urbaine, on va placer des pins de ces quatre. On va vite partir de cette zone. On va d'abord déclencher l'alarme de la voiture. Voiture et alarme qui sont reliées par smartphone au King directement, qui donc va comprendre qu'il y a un problème avec son véhicule. Vous l'avez vu, il est tout au fond en rouge.
je vous disais, l'instinct, vous devez revenir discrètement, et l'instinct, vous faites monter cette jauge en fonction de vos actions furtives, que ce soit un headshot ou des actions véritablement discrètes. Et en fonction aussi du niveau de difficulté, on l'augmentera plus ou moins fortement. Le king est là, on a caché le corps, donc il pourrait se douter de rien. En revanche, il va remarquer, regardez, la marque de sang laissée par le garde qu'on a abattu. Et là, Sacha va déclencher. Et notre mission, vous le voyez en haut, le king est éliminé. Et si on réussit, je crois qu'on peut applaudir Sacha. Mais attention, tout n'est pas fini, puisque bien évidemment, maintenant, la situation devient un peu plus complexe. Si le king est mort, c'est qu'il y avait un attentat. On va donc chercher probablement les personnes qui auraient pu intervenir sur la scène. On se rechange. Vous voyez, le nom a changé en haut. Désormais, Shadow indique que nous sommes une ombre parmi les ombres. Et pendant que la foule est prise dans le tumulte, eh bien, on va en profiter pour s'extirper, s'exfiltrer de la zone. Et là, on peut véritablement applaudir Sacha. C'est réussi!